Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, pour ceux qui sont déjà au boulot, bon courage pour le taf. Donc là, on est lundi matin et on est un peu au calme, tranquille, à la maison. Oh, merci beaucoup. Merci KBB Dilou. Alors, merci beaucoup. Moi, je t'invite à manger. Moi, je t'invite à manger. Voilà. Donc. Donc, on essaie de partager un tout petit peu le live. Hein. Vous savez, on ne s'attaque pas. Non, mais pas le grand matin, il est bientôt 10 heures. Mon petit déjeuner, je vais pas le prendre à midi quand même. Non, je vais pas le prendre à midi, je suis désolé. Non, non. Là, mon corps réclame. Donc, il faudra bien que moi je nourris le corps. C'est important. Voilà, faut bien nourrir le corps. Ok? Donc, c'est un petit déjeuner très spécial. Ok. Donc, on rentre, on partage. On rentre, on partage. Voilà. Bah ouais, il est 9h30. Il est 9h30. Voilà, il est 9h30. Hein? Il est 9h30. Donc, le petit déj, c'est jusqu'à 11h30. Et comme j'ai droit à 5 repas par jour, je mange à 9h30. J'ai environ 3 heures pour digérer. Je remange à midi 13h. Après, je prends une petite collation à 15h. À 20h, je remange. Et à 23h, je remange encore. Voilà. On rentre, on partage avec la famille. Une petite scène, ça partage, s'il vous plaît, la famille. Donc, chacun fait le taf. Il fait le boulot, là. Allez, je mange un peu mon pain blanc. On rentre, on partage. Perrosimbozi. Partagez, appuyez sur le bouton partage que vous avez à côté là. C'est aussi important. Le bouton partage, c'est pas pour moi. Hein. Ça dit qu'on a créé le bouton partage. Il faut s'en servir quoi. Ouais, il faut s'en servir. On rentre, on partage. On rentre, on partage. Un croutis. Un croutis, c'est un bafon. Hein. Pour ceux qui l'entendent pas le bafon, un croutis. Ça veut dire ça veut dire 500. Un croutis, 500 partage la famille. Donc, croutis. Dans le groupe de Congossa, le groupe de Njapa. Je sais que vous aimez ça. Qui n'aime pas le Congossa sur le continent? Je sais que vous aimez le Congo ça jusqu'à. Oh, vous aimez ça jusqu'à. Partagez alors la famille. Tito, Perrosi. Perrosi, c'est toujours en bas fond. Ça veut dire partager. Perrosi. Perrosi, Mbouzi. On partage. Routine. Moi, je suis monsieur Davy. Je fais mes lives le matin comme ça au calme. Voilà. Roche. Mettez le cœur, surtout ma bon appétit aussi. Quand c'est bon. Ouais. Le goût de ça. Ah, c'est trop riche ça. Trop riche. Ah, pour le bataille que tu es patal. Non. Là, vous n'êtes pas gentil, hein. Pas gentil. Mais c'est une gueule. C'est quoi ce délire? Ah.
Un partage. Donc moi aussi, là, je me partage. Hein. Attends d'abord, j'attends, monte un peu. Même à 10 personnes, on démarre le live. À 10 personnes, on démarre. Non, mais pas le grand matin, il est bientôt 10h. Mon petit déjeuner, voilà. Je peux le prendre à midi quand même. Non, Georgette, on va décrypter. Georgette, on va décrypter. Moi, je suis contre les haineux. Il n'encourage pas la haine. Si elle a la haine contre ta Lolo Fodia, on le dénonce. S'il y a une haine contre Fodia, on va dénoncer. On n'est pas là aujourd'hui pour chercher. Vous savez, moi, je suis neutre. Hein? Moi, je ne suis pas le genre qui arrive comme ça et prend parti. Non, il faut dire la vérité. Voilà. Moi, quand je veux tirer sur Fodia, il tire sur Fodia. Il y a les points sur lesquels il tire sur elle. Elle a créé sa télé. On lui a fait les critiques. Elle dit que bon, voilà, elle devait s'améliorer. On attend qu'elle s'améliore. Non, c'est moi qui crée sa télé. Ça crée les jaloux. Elle part à Dubaï. Ça crée les jaloux. Elle fait ceci. Mais non. Laissez Fodia vivre. Fodia a le droit de vivre. Qu'est-ce qu'on prend à Fodia? Honnêtement, qu'est-ce qu'on prend à Fodia? Je n'ai pas tout suivi le live hier. On m'a bipé. J'ai eu les bips partout. Ça sonnait. Oh, gangong, gangong, tu es où? Donc, qu'on me dise vraiment qu'est-ce que Fodia a fait de mal. Qu'est-ce que Fodia a fait de mal pour mériter ça? C'est une fille qui veut s'en sortir. Ce qui me plaît en Fodia, c'est qu'elle veut s'en sortir. Vous voyez, et personne n'est parfait. Merci KBB. Personne n'est parfait. Fodia, c'est une fille que j'encourage. Ouais, non, c'est une fille quand même. Quand on regarde un peu la toile, elle essaye, même si elle n'y arrive pas. Elle essaye, elle veut s'entendre, qu'elle veut quand même montrer que c'est pas une qui fait l'exhibitionnisme. Tu vois, non. Non, c'est une fille quand même, mine de rien, elle défend même sa communauté parfois. Oui, elle défend même sa communauté parfois. Elle prend les coups. Elle prend les coups. Il y a des haineux, des jalouses qui vont venir tirer sur Fodia. Pourquoi? Ça, je n'ai jamais compris. Je vois les lives partout, yeah, wong, wong, mais quand elle part à Dubaï, apparemment, elle est partie pour son anniversaire. Pourquoi ça dérange? Pourquoi? Non! Mais faux! Non, elle ne se laisse pas faire. Mais faux! Ce qui est sûr, qu'elles sont quasiment toutes pareilles. Elles sont quasiment toutes pareilles. Pas parce qu'elles ne dénoncent pas. Tout le monde ne peut pas dénoncer. Tout le monde ne peut pas dénoncer. Ça, c'est partout, c'est pareil. C'est-à-dire que même en France, partout dans tous les pays, quand il y a les situations, il y en a qui restent sans rien dire. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un fait que parce qu'elle ne dénonce pas, machin. Oui, c'est bien beau de dénoncer. C'est bien beau de dénoncer. Elle se cherche. En fait, en gros, elle ne doit même pas aussi être importante autant que ça. Parce que demain, si Facebook ferme là, faut y aller plus là. Ceux qui vont dénoncer sont les artistes. Ce sont les artistes sur lesquels on s'appuie. Parce que ces personnes-là, si TikTok, Facebook ferment là, c'est mort. La visibilité est terminée. Oh, coucou, accent aigu, c'est comment, non?
Oui, c'est ce qu'on dit. Laquelle de ces blogueurs ou blogueuses, vous donnez les titres, même qu'elles ne méritent même pas. Non. En fait, elles ont leur rôle. Elles ont leur rôle. Aujourd'hui, on doit pas. Mais Facebook est arrivé comme ça, chacun a pris l'affaire pour sa part avec. Il y en a qui font le Congo sang, il y en a qui font le business, il y en a qui. Voilà. Hein? Les artistes aujourd'hui, sans Facebook, peuvent s'en sortir. Oui, elles peuvent faire leur promotion, autrement, elles peuvent passer dans les radios, etc. Ou quoi que Facebook là. Faut dire qu'il dit qu'elle crée sa télé. Oui, elle veut créer sa télé, mais en gros. Si Facebook n'existe pas, sa télé est finie. Sa télé est terminée, donc on ne la considère même pas. Bon, pour l'instant, elles vivent, elles sont sur Terre. Facebook a été créé, chacun vient là et joue sa part de partition. Il y a les haineux, il y a les sorciers, il y a les marabouts qui veulent la tête de Foja. Pourquoi on veut la tête de Foja? Parce qu'en gros, quand vous parlez d'énonciation, il y en a qui aiment le Cameroun. Il y en a qui disent que, gars, le pays est doux. J'ai moins envie d'aller sur le continent. Vous voyez, non? Donc, c'est petit à petit, c'est un travail qui prend le temps. C'est un travail qui prend le temps. Elles n'ont pas été habituées à ça. Ça veut dire que. C'est comme le cancer qui les habite, non? Pour qu'elle commence à dénoncer, il faut un travail de fond. C'est petit à petit, non? Assez avant, les Katino dénonçait. Katino, aujourd'hui, elle a compris qu'elle prend un peu le temps. Vous voyez, c'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Qui est sûr qu'il faut y aller dans la sardine? Mais ça reste une fille Bamileke, hein? Oui, c'est qui est sûr qu'il faut y aller dans la sardine? C'est une grosse sardinade. C'est sûr, c'est une grosse sardinade. Mais, quoi qu'il en soit, le Cameroun nouveau se fera avec quasiment tout le monde. Oui, ça se fera quasiment avec tout le monde. Bon, laissons le cadre de dénonciation, n'est-ce pas? Maintenant, quand on regarde bien, parce qu'apparemment, son voyage est en train de faire mal. Mais on empêche qui de voyager? On empêche qui de prendre l'avion pour aller fêter son anniversaire? C'est-à-dire que Foja a été parfois mal entouré. Non, les deux se sont. Mais elle est partie à Dubaï, non, colonel. Ils ont dit qu'elle est partie à Dubaï pour fêter et les gens ne sont pas contents. Mais comment tu dis que qu'elle voyage? N'est-ce pas qu'elle est partie à Dubaï? Le problème aujourd'hui, c'est Dubaï, qu'elle est partie là-bas, on lui a payé ceci, ça crée des problèmes. Donc, vous voulez qu'elle ne voyage pas aussi? Non, parce que moi, je ne comprends pas les gars du continent. Faut dire aujourd'hui, même à Flo voyage. Flo voyage, elle part partout. Flo part partout. Flo voyage, elle fait le tour du monde. Pourquoi ça ne fait pas mal? Et quand Lolo Faut dire voyage une fois par an. Ça crée le tsunami sur Facebook. Pourquoi? Pourquoi ça crée le tsunami? Lolo Fodia voyage une fois par an. Ce n'est pas une fille. C'est-à-dire, elle est toujours là où elle est. Elle avait fait sa formation pour être, je ne sais pas quoi. Il paraît qu'elle faisait une formation. Mais je ne suis pas l'actualité. Comment non, Laure Francine? Comment elle ne suit pas l'actualité? Non. Mettez donc en commentaire comme ça, on débat. Si à Lomagnan, vous prenez la parole, parce que ce n'est pas une affaire qu'on va dire que oh, Gango, parce que parfois on me dit que oh, Gango, tu tires sur Foja. Non, je ne tire pas sur Foja. Le truc, c'est que si vous avez l'information, frère, vous mettez en commentaire. Ouais, comment elle veut dire Lolo, non? Ouais, Jimmy Darren, mais si on est habitué avec Foja, c'est quoi maintenant la différence que Foja et Lolo? C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Laissons calmons les autres. Laissons les organes de côté, non. Laissons pas que le débat pour trouver une solution. Mais Lolo, comment elle peut. Elle est méchante en quoi? Elle est méchante en quoi? Disons la vérité. Ce n'est pas un débat de clash. Ce n'est pas un live de clash. Vous dites que elle est méchante. Comment elle est méchante? Comment vous pouvez prouver? Vous pouvez prouver dans la méchanceté. Non! Cette fille, il y a des moments où je n'étais pas d'accord avec elle. Comme l'affaire des gélules. L'affaire des gélules qu'elle avait allé, qu'elle a commandé au pays. Moi, je n'étais pas d'accord.
J'ai fait des lives contre elle. Elle n'était pas d'accord. Mais là, aujourd'hui, elle décide de changer. On ne peut que l'accompagner. Si Fodja décide de changer, qu'est-ce qu'on fait? Fodja décide de changer. Ça cause un problème. Elle est encore en train de voyager. Ça cause un problème. Elle fête son anniversaire. Donc, vous ne voulez pas qu'elle fête son anniversaire. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Parce que Flo voyage tout le temps. Bon, Flo voyage, elle est au Canada, aux États-Unis, etc., etc. Est-ce qu'on a déjà fait un live pour dire que non? Pourquoi Flo voyage? Pourquoi l'homme noir est comme ça? Pourquoi l'homme noir a le mauvais cœur? Pourquoi l'homme noir? Chantal a ici maintenant veut finir avec elle. Pourquoi? Chantal Aïssi veut finir avec elle. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Destiny Labaro a fait un live hier. J'ai pas eu le temps d'écouter. Donc, il paraît qu'il y a un truc entre Chantal Aïssi. Lolo Fodja partait à Yaoundé pour la canne. Elle a dit qu'elle veut rencontrer Chantal Bia. Elle veut faire la couture. Mais les gens de comment non, colonel, c'est un débat. Hein. La ligne est ouverte. Hein. Si vous voulez prendre la parole, vous prenez la parole. Je ne veux pas avoir le monopole du speech. Je ne veux pas avoir le monopole du speech dans ce live. Si vous voulez prendre la parole, vous prenez la parole simplement. Voilà. S'il y a le mania dans la salle, s'il y a les abeilles, là, il faut à un moment donné prendre de la hauteur. On prend un peu de la hauteur. Parce que quand tu observes le parcours de Fodja, elle a envie de travailler et s'en sortir. Mais c'est quand elle fait le truc, ça ne marche pas. Quand Fodja fait le truc, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut dire une vérité. Hein. Fodja, à la limite, il peut me dire qu'elle a un peu de poisse. Non, mais comment elle veut, les amis des gens? Non, ce n'est pas un mode qui est parti se rallier à elle. Ce n'est pas Amod qui est parti se rallier à Fodja. Hein? Non! En fait, Fodja est pas à la canne. Le but de la canne, c'est qu'elle voulait faire la mode. Elle voulait coudre les vêtements. Elle voulait que styliste. Fodja voulait être styliste. Fodja n'est pas une mendiante. Hein. Fodja n'est pas une mendiante. Fodja, quand même, elle a créé une télé. Déjà, il faut encourager ça. Elle a voulu vendre les gélules. Ça veut dire qu'elle a quand même l'esprit d'entrepreneuriat. Elle a quand même envie. Vous voyez, non? Elle a fait une formation en France. Elle a fait une formation en France. Fodja, quand même, vous sentez qu'elle se bat. Elle se bat, elle a envie quand même de ne pas. Parce qu'elle sent que bon, elle prend conscience. Il faut apprécier ce côté-là, qu'elle prenne conscience quand même. Mais le problème maintenant, c'est que Chantal Aïssi, c'est aussi une grosse tribaliste. Chantal Aïssi, c'est aussi une grosse tribaliste. Il ne faut pas seulement dire que non. Non, il y a ce truc-là aujourd'hui où ces personnes sur la toile veulent manger. Elles veulent un peu avoir des relations, machin. Mais c'est bien sûr que les relations même, ce n'est pas... Il y a les relations que tu appelles, ça tombe au répondeur. Tu appelles même, ça tombe au... Il n'y a même plus question de relations au pays. Parce que même les hommes, là, même sont partis au Ngata. Les hommes, là, même, ils comprennent même que les relations ne servent à rien. Non, est-ce qu'il y a le aide-moi à détester les gens même? Parce qu'en gros, Fodja est en train de subir. Fodja est en train de subir. Elle a promis qu'elle devait changer par rapport à sa télé. Parce qu'il est sûr que moi-même, je lui ai dit en fait que ta télé, tu dois savoir les qui inviter sa télé. D'accord? Donc, elle invite forcément les gens pour faire le clash. Et ce n'est pas bon.
Ça, je lui avais dit ça. J'ai dit que non, si tu as une télé, si tu veux que je joue, parce qu'elle présente bien, hein, faut le dire, la vérité. Hein. Lolo, faut la présenter bien, elle a une belle gueule. Hein. Non, elle est bien à regarder, quoi. On peut l'admirer, on peut la regarder. Mais je lui avais dit, si tu veux faire ta télé, que ta télé, c'est-à-dire commence petit et tu peux bien avancer. Parce que le concept en lui-même n'est pas mauvais. Le concept en lui-même n'est pas mauvais, non. Mais le problème, c'est que les gens tirent beaucoup sur sa télé. C'est-à-dire que les gens ont senti peut-être que sa télé peut apporter un plus. Mais on tire dessus. Ça, c'est là où je ne comprends pas pourquoi on tire encore. Parce qu'en gros, il faut faire attention entre clash et business. Non, Lolo Fodja, elle veut s'en sortir. On ne s'attaque pas au mangement de quelqu'un. Non, vous n'allez pas vous attaquer à son mangement. Elle peut finir, faut ne pas faire comme ça, elle finit à Canal Plus. Hein. Elle peut faire comme ça, elle finit à TF1. Il faut encourager. Faut ne pas faire comme ça, elle devient une journaliste internationale. Mais pourquoi toujours dire que non, non, elle est méchante, elle paye ceci. Non, il faut savoir faire la part des choses entre le travail et le comportement de Facebook. On ne peut pas lier les deux. Non, on ne peut pas lier les deux. D'un moment donné, Fodja subit, elle subit, elle subit, mais elle va craquer. Voilà qu'elle a perdu son mari. Les gens sont venus fêter, mais comment une femme perd son mari, vous ouvrez le champagne? Comment le père Fodja part? Vous savez comment c'est dur ici d'avoir un gars en bain. Fodja, son mari part. On devait même déjà laisser un peu le temps. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore guéri cette blessure-là. Donc son mari est parti comme ça. Normalement, on devait d'abord baisser les armes. C'est-à-dire qu'on baisse les armes. Mais c'est une déception. C'est une déception. Parce qu'une femme qui est restée avec un homme dans la maison, comment elle va faire maintenant toute seule? Comment elle doit faire maintenant toute seule? Vous pensez à ça? Hein? Elle voyage pour décompresser un peu parce que faut déjà être parti. Même ça, même vous ne compatissez pas. Vous êtes toujours là en train de dire que faut déjà, vous voulez prendre sa tête. Vous voulez prendre sa tête. Rien que quand son mari parle là, elle peut déprimer. Elle peut déprimer. Mais imaginez-vous l'hiver comme ça, elle dort seule. Elle était habituée à dormir chaud, avec Fodja dans la maison. Elle montrait les vêtements de Fodja, tout ça. Elle nous montrait un peu comment Fodja avait les belles chemises, tout ça, tout ça. Nous, on ne voit plus ça. Et ça vous fait plaisir. Comment? Moi, j'aimais pas voir comment elle vantait son gars. Elle vantait son gars sur Facebook. Maintenant, comme son gars est parti, on ne vous a pas vu pleurer. Oui, voilà. Baganté Crib dit que Flore. Mais elle s'est moquée de compression. Comment non, KBB? Mais le concombre, bah, comment non, là? Comment appeler le concombre? Non, ça c'est les organes que vous mettez. Yesh, yesh. Laissez les organes. Laissez les organes. Non. Le problème avec le concombre, c'est qu'il y avait d'abord les clashs entre les deux. Il y avait d'abord les clashs entre les deux. C'est très violent. C'est très violent. On ne peut pas. C'est-à-dire que c'est réjouir quand une femme perd son gars en main. On ne peut pas se réjouir. Parce que c'est grave, c'est dur. C'est dur d'avoir un gars dans la maison qui est sur eux, qui part travailler. La plupart des gars, c'est les gigolos. Le mari de Fodja, c'est un bon. Parce que j'ai vu une vidéo où son gars a essayé de se dire qu'il est content maintenant. Il est avec une autre gars. Il a mis la vidéo sur Facebook. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Fodja a subi beaucoup par rapport à Flore.
Fodja a subi beaucoup par rapport à Flore. Et oui. Fodja a subi même les boycotts. Elle a été victime des boycotts. Flore n'a jamais été boycottée. Hein. Fodja même a reçu la poussière de la basse. C'est un gars qui sort de loin. Hein. Ouais, Lolo, comment tu dis qu'elle paye? Non, Lolo, elle a déjà assez payé, non? Mais Lolo, elle a déjà payé. Vous voulez qu'elle paye comment? À un moment donné, il faut laisser le prix à payer, c'est jusqu'à la fin des temps. Fodja a subi l'humiliation ici. On est allé chez elle, Kamwa, tout ça. Kamwa, la panthère, elle est partie là-bas. On l'a tiré dans les soirées, on l'a versé la poussière. La farine par-ci, elle a pris les yeux. Franchement, c'est une fille. Moi, je ne sais pas comment elle dort. Mais je sais que tu es en train de supporter Flo. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas pour l'adversaire, même en période de guerre, quand ton adversaire est déjà à terre, tu ne tires plus. Quand ton adversaire est déjà à terre, tu ne tires plus. Quand il lève les mains, parfois même il faut déjà lever les mains, mais vous ne voyez pas qu'il a levé les mains. Il faut déjà demander la paix avec Flore et qui a recommencé encore à chercher l'autre. C'est pas Flore. Faut déjà demander la paix. Faut déjà demander la paix. On est témoin ici sur Facebook que faut déjà demander la paix. Tout le monde m'a dit que wow, elle est méchante, elle est ceci. Non. Non. Parce que d'un côté aussi, on dit que Flore est méchante. Vous aussi, vous dites que non, Lolo est méchant. Finalement, qui est donc plus méchante que qui? Coucou, c'est comment Georgette? Parce que finalement on dit que non, Lolo est méchante. Après on dit que c'est Flo qui est méchante. Non mais soyons sérieux quand même. Faut dire, elle n'en peut plus. Mais elle n'en peut plus. Elle passe le temps qu'à se défendre. Elle a envie de faire les trucs accompagnant Lolo. Faut dire quand même qu'elle soit un peu comme Emmanuel Keita qui ont fait des trucs. Vous savez, les influenceurs ivoiriens là, ils avancent. Voilà que Georgette dit que Flore est une méchante, haineuse et diabolique. C'est Georgette qui dit ça. Attends, Cindy, elle dit, Cindy dit, il parle déjà bien de... Mais vous pensez que moi je suis un hypocrite? Cindy, force, mais tu crois, tu me connais pas, hein? Donc tu parles que moi, il vient seulement là chercher. Moi, je ne suis pas là. Je suis pas dans les clans. Quand c'est vert, il dit que c'est vert. Quand c'est vert, il dit que c'est vert. Quand c'est noir, il dit que c'est noir. Moi, je suis pas dans les clans. Fodja, aujourd'hui, devait être loin par rapport à d'autres personnes. Coucou, ma Folo, c'est comment? Non, Cindy Force. Non, c'est pas qu'elle fustige Lolo. Là, aujourd'hui, on doit protéger Lolo Fodja. Parce que cette fille peut se suicider. Cette fille, à un moment donné, elle doit péter un câble. C'est pas ce qu'elle a vu hier, là. C'est-à-dire que ce qu'elle a vu hier, pour qu'elle puisse en sortir, elle était en live hier, tu sentais que ça monte en elle. Elle sort de son voyage, de son anniversaire. Même quand c'est n'importe comment, on peut souhaiter joyeux anniversaire. Oh non, mais oui, ma Folo, mais c'était magnifique. Hein. La soirée était très très belle. Je te jure, moi je me suis rentré fatigué. Le dimanche là, j'étais grave épuisé en tout cas. Donc c'était top. Oui, mais Flo et Lolo sont pareils. Mais à un moment donné, ma personne suit. À un moment donné, on s'est dit que quand on s'est dit que Fodja doit s'éteindre. Pourquoi les gens veulent que Fodja s'éteigne? C'est ça le truc en fait, c'est que les gens veulent que Fodja s'éteigne, qu'elle n'existe plus. Non, Carole Cohen, c'est pas vrai. Il faut parfois interpréter bien ce que je dis. Je ne suis pas là pour dire que moi, j'encourage, il y a des aspects sur lesquels j'encourage Fodja. Bon, les gens me disent que non, qu'on l'appelle Fodja, qu'on l'appelle Lolo.
Parce que bon, Foja, que son mari qui est parti. Mais j'ai espoir que son mari revienne. Ce qui est sûr que Foja, son mari va revenir. Ce qui est sûr que le mari de Foja va revenir. Vous avez vu comment les gens ont ouvert le champagne quand son mari est parti? Est-ce qu'on peut fêter la séparation? Il va que revenir, non, non, il va que revenir. Donc il faudra justement faire donc tout. Mais est-ce que tu penses que... Parce que attention, hein, Mafolor, ce qui est sûr que la vidéo que j'ai vue, faut dire dans les bras d'une autre, là, l'engagé est en train de serrer ça. J'ai vu les bisous qu'ils ont fait dans la vidéo là. Mais pourquoi faut qu'elle revienne? Car il faut qu'on se batte. Moi, ça fait quand même des années, dis donc. Ça fait quand même des années. Et une gars sort de loin et récupère ça comme ça. Est-ce que le mec était même sérieux? Est-ce que le mari de Foja même était sérieux? Parce que la façon qu'il est parti, on a récupéré. Non, parce que en gros, hein, ce que je vous dis. Même quand un homme se sépare, il prend d'abord le temps avant de s'afficher. Non, comment il n'en veut plus? Ça veut dire que c'est par là un bon couple. Si c'est par là un bon couple, pourquoi il n'en veut plus? Donc même vous avez supporté un couple qui était un couple en carton. Pourquoi il n'en veut plus? Non, ce n'est pas que Flo veut briller seul sur Facebook. Il y a la place pour tout le monde, non? Oui, Carole, il n'est pas heureux là-bas, ça se voit. Mais il faut donc qu'on adresse un courrier à recommander. On va envoyer un courrier à recommander à la fille qui a pris Foja. Elle se base sur quoi? Parce que Foja était là-bas une star. Foja même, c'est une... Mais Foja, c'est... Il est une star. Tu ne prends pas le mari d'une blogueuse comme ça. Foja, c'est une star déjà. On ne peut pas le récupérer comme ça. Et le manière, c'est comme ça, ne disait rien. Non, cette dame qui a récupéré son mari, on va d'abord l'envoyer un courrier en recommandé. On va, c'est-à-dire qu'on va notifier ça par voie d'huissier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se permettre. Parce que ne croyez pas que la séparation est facile. Hein. Oui, on m'a appelé pour le recommander, lui. On envoie que le recommander d'abord. On envoie. C'est-à-dire qu'avec accusé de réception, on va trouver l'adresse de l'hangar. On envoie ça. Oui, parce que les gars pensaient que non, comme c'est une affaire de faible, quand on prend maintenant la voie normale et légale, elle va se demander que va retrouver ton gars. Tu ne peux pas être une femme. Tu permets, tu prends le mari d'autrui et très rapidement tu t'affiches sur Facebook avec. Non, ce n'est pas, c'est pas gentil. Foja n'a même pas encore guéri de ça. Foja n'a pas guéri. Parce que la façon que Foja, Lolo Foja nous montrait les vidéos, les photos de son gars ici, c'est qu'il y avait amour. C'est qu'il y avait amour. Et là, maintenant, comme elle est partie, vous pensez que la solitude, là, il y a les femmes qui disent qu'elles préfèrent rester seules. Elles mentent. Aucune femme ne veut rester seule. Aucune femme ne veut rester seule. Parce qu'on entend vraiment que non, ouais, vous voulez que Foja demeure célibataire. C'est ce que vous voulez. Elle était là bien là où elle était derrière son gars. Où ma chère monte sa maison, elle fait à manger, tout ça. Elle montre comment prendre soin d'un homme. Qui va encore nous montrer ça? Qui va encore nous montrer ça? Vous aimez bien comme ça, elle prend soin de l'eau. Elle pouvait faire les cours. Foja pouvait vous montrer comment on prend soin. C'est-à-dire que ça devait... éduquer beaucoup de femmes qui ne savent pas prendre soin de l'homme ici dehors. Ce qu'elle faisait, le travail qu'elle faisait avec Papa Foja, c'était que montrer comment je repasse les vêtements, je fais à manger, je caresse la tête de mon homme et tout ça, je lui masse les pieds quand il rentre. Mais attends, comment elle a déjà un copain? Bon, les Lelomania peuvent prendre la parole. Hein. Je vous dis que la ligne est ouverte. Je vous vois venir là, dans vos commentaires. On sent qu'il y a beaucoup de Lelomania ce matin.
Voilà. Donc, pour moi, il est préférable que vous pouvez prendre la parole, même parler à visage masqué. D'accord? Il faut qu'elle vous entende. Parce que cette vidéo va atteindre votre Fodja. Ok? Ce live doit atteindre Fodja. Donc, on n'est pas là pour chercher la mort d'autrui. On n'est pas là pour... Parce que demain, si elle tombe là, on va dire que quoi? Si Fodja tombe là demain, on va dire que quoi? Donc faut abuser beaucoup. Est-ce non? Est-ce que non? Boire n'est pas un problème, non? Georges Ligue. Boire l'alcool n'est pas un problème. Chacun prend son verre de vin. Il peut boire, il a son truc. Même Fodja aussi boit le vin. Même Fodja, même Lolo Fodja boit le vin. Elle boit le champagne. On dit qu'elle a manqué le champagne qui était le faux. J'ai entendu même sur Facebook, on dit que son champagne là, quand t'es pas le bon champagne. Sylvie Kaya, c'est comment non? On dit que le champagne de Lolo Fodja n'était pas le bon. Vous étiez là. Vous étiez là pour ça. Mais vous lisez même la lettre dans l'enveloppe. Fodja était à Dubaï. Elle boit son champagne. Et vous avez dit qu'elle boit, que ce qu'elle a fait de boire, c'est que c'est du frelaté. Non, ce n'est pas question de ça qui vivait l'alcool. Même Fodja. Fodja a ramené Kangwa la panthère chez eux à 4 heures, ils buvaient l'alcool. Arrêtez de condamner le monsieur d'autrui pour rien. Les deux buvaient l'alcool. Les deux buvaient l'alcool. Ben oui, les deux consomment. Faut pas seulement dire que par Fodja consommait plus que non. Les deux consommaient. Quand on voit Fodja ici, quand il est en train de boire son vin, vous ne dites pas que non, il boit l'alcool. Elle n'est jamais venue se plaindre sur Facebook que le gars était un alcoolo. Hein. Georgette, elle n'est jamais. Oui, mais c'est ce que les gens sont en train de dire. Qu'elle buvait que le champagne là, c'est un champagne frelaté. Donc, en gros, tout ce qu'elle montre, on trouve que ce n'est pas bien. À un moment donné, apprenons, même si on n'aime pas quelqu'un, on doit quand même apprécier un peu. Tu vois, non? Ce qui m'a plu sur Flore. C'est que Flo aussi, la dernière émission de Fodja, Flo a apprécié. Flo a apprécié, donc ne me dis pas que Flo c'est méchant. Flo a apprécié quand Prezi Amot est passé dans son émission. Flo a apprécié, donc ne me dis pas que Flo est méchant, je suis désolé. Quand Flo veut apprécier, aussi elle apprécie. Non, il faut apprécier quand c'est bon. Voilà, vous savez que parfois on condamne que oh, Flo n'est pas ceci, Flo n'a pas dit que. Elle avait fait preuve de grandeur et elle vous a dit aux abeilles que, attention, elle est libre d'apprécier ou pas. Elle a dit qu'elle est libre d'apprécier ou pas. Donc, attention, parce que là, quand vous commencez déjà à dire forcément que non, Flo c'est une méchante, si elle était méchante, elle ne devait pas apprécier le passage de truc. Elle avait dit que non, l'émission était bien, voilà, etc. Elle a quand même fait un peu de critique, ce qui est normal. Ce qui est normal. Pourquoi quand Flo apprécie, vous ne dites pas qu'elle a apprécié? Non, ne dites pas seulement que Flo, c'est une méchante pro-Marx. Flo a aidé aussi Lolo quand elle était en difficulté. Attention. Non, ne s'en fout pas, Carole. Quand Flore, quand Lolo était en difficulté sur le continent, n'est-ce pas, Flore? Coucou, Rebecca, c'est comment? Quand Lolo Fodja était en difficulté au continent, n'est-ce pas, Flore a manifesté? N'est-ce pas, Flore s'est battu ici pour qu'on libère Fodja? Non, franchement. Ne mettons pas seulement les organes, n'oublions pas le passé, hein, parce qu'il y a des trucs qu'on n'oublie pas, qu'on a vu ici sur Facebook. On a vu ici sur Facebook.
Flore à son niveau. Les deux. Les haineux de Tata. Non. Parce que là. Non, mais la famille. Non, quand on est un matin comme ça. C'est-à-dire que quand on fait un petit live le matin comme ça. Ce n'est pas un live pour mettre les organes. Ouais, non. Moi, je viens dans un live pour qu'on échange. Ça veut dire que. Pour apaiser même un peu les cœurs. Mais Carole, elle a fait quoi, non? Carole, tu me dis que Flore est méchante envers sa sœur. Parce que vous parlez de méchanceté, mais vous n'avez pas de preuves vraiment pour démontrer la hauteur de la méchanceté. C'est ça, moi, je ne comprends pas. C'est ça, je ne comprends pas. Parce que vous parlez de méchanceté à chaque fois, oui. Mais est-ce que, du coup, maintenant, quand vous parlez de méchanceté, vous pouvez donc démontrer à quel niveau la méchanceté se trouve? Mais comment elle chantait tous les jours et elle est encore allée se battre pour qu'on libère machin. Elle a même dit dans une vidéo qu'elle donnait les conseils. Elle donnait les conseils, elle avait son numéro, elle appelait, elle a contribué. Elle a contribué. Parce que si ce n'est pas Flore avec les abeilles, c'est Chantal ici qui vient maintenant, qui met encore la pommade. Elle veut seulement qu'on finisse avec elle. Elle veut seulement qu'on finisse avec elle. Donc vous pensez que Lolo Fodja aujourd'hui, si elle atteint un niveau, je pense que les gens vont mourir. C'est-à-dire que si Fodja atteint un niveau à la vie, je sens que les gens vont se suicider. Elle a sa vie qu'elle doit mener. Voilà, elle était la première à alerter. Voilà Blanche qui confirme que Flore était la première à alerter quand on a chopé Fodja. Que Flore était la première. Bon, ce qui est là aujourd'hui, c'est que face à toutes ces situations, face à tout ceci, voilà encore une histoire qu'on oublie. Elle passe maintenant même sur une télé. Il y a un monsieur qui vient dire qu'on l'avait attaché. Le monsieur n'est pas gentil. Le monsieur qui avait dit qu'on a attaché Flore pour Nias là, le monsieur là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne peut pas, même si tu Nias avait un gars et que tu l'as attaché, que tu as fait des trucs sur elle, tu ne viens pas. Nous-mêmes, quand on est dans les quatre murs là, on fait des trucs qu'on ne peut pas dire. Nous, dans les quatre murs là, il y a les positions qu'on prend qu'on ne peut pas venir dire sur Facebook. Et ça, maintenant, ce n'était pas bon parce que Flore aussi a souffert de ça. Hein. Fodja aussi a souffert de ça. Le fait de dire qu'on a attaché Fodja, qu'on a fait des trucs sur elle, machin. Vous savez ce que ça fait pour une femme d'entendre ça? Et donc, vous savez que ça fait mal. Non, quand elle a entendu ça comme ça, elle dit que. Non, ce qui est sûr que dans les quatre murs, hein, regarde, dans les quatre murs, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Moi-même, je suis comme ça. Moi, on me dit que je peux faire des trucs. Vous voyez, non? Mais pas venir. Dit ça comme ça à mon avis que non, j'ai attaché. Non, ça, c'est une humiliation. Vous pensez qu'elle a guéri de ça? Hein? Elle se fait insulter tous les jours par le métis suisse. Le métis suisse a déjà. Ben, la fille là souffle. La fille. Maman. Mais ben, la fille là prend le coup. Hein. La fille a pris les coups. Parce que quand vous faites même la comparaison, Lolo a pris plus de coups que Flore. Flore n'a pas pris de coups. Hein. Flore n'a pas pris de coups. Peut sortir sur une télé comme ça. Hein? Une télé mondiale comme ça. On dit que non. Tu es venu dormir à un homme. Voilà ce qu'il a fait. Est-ce que nous on dit, est-ce que les trucs secrets comme ça, on le dit? Et c'est le truc comme ça qui se passe dans les quatre murs. On vient à mon devis en parler.
Les gens ont fait des challenges, bâton de manioc, attachement. Les gens ont fait des trucs. Vous voulez qu'elle fasse comment? Non. Elle part en prison sur le continent. Elle vient ici, elle prend les produits. Maintenant, on dit que les gélules n'ont pas payé l'argent. Vous sortez encore, vous mettez les organes. Elle fait sa télé. Les gens font qu'elle dit que wow, c'est une télé, un bracata. Wong, wong, wong. Elle part maintenant à Dubaï vivre un peu sa vie pour se reposer encore. Même comme ça, vous voulez, vous pensez qu'elle doit vivre où? Tu la soutiens juste parce qu'elle est babie? Non, attends, colonel, colonel, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter. Tu me connais pas, hein? Tu me connais que d'aujourd'hui, toi, en fait. Non, tu me connais que d'aujourd'hui. Ça, tu viens maintenant mettre que le psy-basme est dans pourquoi? Tu me connais que d'aujourd'hui. Je suis sur Facebook, ça fait longtemps, hein? Ça fait des années, plus de 10, près de 15 ans sur Facebook. Donc tu me dis qu'elle met le... Il a tiré la tête de Bami. Parfois elle tire sur le lot ici. Tu me connais d'aujourd'hui. Attends, tu me connais quand? Quand il veut que moi je tire, je tire en vrai. Qu'est-ce qu'elle a? Elle confirme. J'ai dit que Lolo a beaucoup subi. Et il vient me dire qu'elle a choisi parce que Bami. Moi, je supportais les hommes là ici. Hein, et de Bami, okay? J'ai supporté les hommes là ici. Moi, c'est quelqu'un de juste. Hein. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie à deux balles. D'accord? Donc, il n'y a même pas de question. Et Lolo, il faut même pas même à la canne. Lolo ne faudrait pas même à la canne. On l'humilie encore. On l'humilie à la canne. On la rapatrie. Vous n'avez pas vu que c'est trop. Vous n'avez pas vu que c'est trop. J'ai oublié l'épisode où elle part, on la rapatrie. Elle part maintenant à la canne quoi, parce qu'elle veut rencontrer Chantal Bia. Elle a son projet en tête. Elle voulait coudre les vêtements. Vous avez vu maintenant comment vous avez tout fait. Son projet est à l'eau. Son projet est à l'eau. Bon, en fait, moi, ce que je peux dire aussi à Lolo, c'est que il ne faut pas vivre en oubliant tes ancêtres. Le conseil que je peux donner à Fodia, parce que chez nous, les Bamilekés, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Flore est maligne. Flore est tout le temps à l'ouest. Les affaires de Flo marchent pourquoi? Parce qu'elle part au village, elle enlève l'ondou. L'ondou, c'est la coutume chez nous. Flo est intéressant. Voilà là où il dit que Flo gagne aussi. Parce que quand elle fait un tour à l'ouest là, elle se lave. Elle part au lieu sacré. Elle parle. C'est pourquoi les affaires de Flo marchent. Oui. Donc ceux qui connaissent, qui sont proches de Lolo, elle part à l'ouest. Elle part à l'ouest. Elle part sur le crâne. Elle parle. Épargne. C'est-à-dire que tu vas voir, Fodia, si tu pars sur les crânes à l'ouest là, moi c'est un conseil que je te donne. Oui, mais Georgette, il ne faut pas dire seulement comme ça, non. Il faut aussi. Non, Georgette, tu supportes bien Lolo. Je peux comprendre. Mais il faut aussi conseiller Lolo. Parce que moi aussi. Je peux apporter les conseils par rapport à ce qu'elle est en train de vouloir faire. Parce que parfois, elle peut être mal entourée. Hein? Et parfois, donc, ce que tu es en train de dire là, c'est que c'est deux sœurs Bamileke. Deux filles Bamileke. Mais chez nous, la coutume ne rigole pas. Les affaires de Lolo ne marchent pas. Non, Carole, tu, regarde les commentaires que tu fais. J'ai pas envie de te bloquer. Tu as les commentaires no sense. Tu as les commentaires no sense. Tu dis que mon problème c'est parce que Lolo ne se mélange pas avec les Bamileke. Ok. Mais comment Lolo se mélange pas avec les Bamileke? Lolo parle avec la fille du Canada, non? Elle se mélange avec les deux filles qui sont au Canada, aux États-Unis, non? Ce sont les Bamileke, non? Non. Lolo ne se mélange pas avec les Bamileke. Comment? Elle se mélange avec comment la panthère. C'est pas un Bamileke. Mais tu parles de quoi en fait? Tu sors des trucs, des commentaires bizarres comme ça, pourquoi? Lolo est toujours en train de tourner, parler, monter, pas. Mais tu parles même de quoi? Que Lolo ne se mélange pas avec les Bamileke.
Mais c'est quel commentaire bizarre. Mais c'est un commentaire qui me donne les nerfs. Voilà comment tu me donnes les nerfs. Non! Non! Lolo ne se mélange pas avec les barbecues. Tu connais combien? Non, là tu es en train de me, là, tu es en train de me chercher là. Là, Carole, je suis en train de vouloir apporter un petit soutien à Lolo. Maintenant, tu viens maintenant mettre un commentaire que moi, je suis un tribaliste. J'ai défendu la fille qui vendait les gélules. J'ai défendu contre Lolo. J'ai défendu la fille qui vendait les gélules. Va voir mes lives. Mais t'as un problème, t'as craqué ou quoi là? T'as craqué lundi matin, t'es pas bien ou quoi? Mais cette fille, j'ai fait des lives même, son téléphone, son numéro, j'ai son numéro de téléphone. Elle m'a appelé, on a fait des lives, elle a dit que non, Lolo, ce qu'elle a fait n'était pas bien. Ok? Donc ne me dis pas que parce qu'elle ne se mélange pas, elle est bamileke, machin, mais c'est un commentaire tordu. La fée des gélules. Non, même c'est une mythomane, hein, c'est pour répondre à Carole Cohen. Qui dit que non, parce que Bamileke machin. Je vous dis que la fée des gélules. J'ai dit en fait que si c'est avéré, Lolo doit battre les dos. Mais elle ne voit pas ça. Elle me dit que oh, pas c'est les Bamileke machin. Mais vous êtes toujours en train de vouloir amener les histoires, etc. J'ai supporté Amazon ici contre l'affaire avec Oshiga. Oshiga, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 semaines. J'ai fait un live. J'ai dit que Oshiga devait remettre la page d'Amazon. J'ai dit ici que Oshiga doit rendre la page. Moi, je suis droit, hein. Je ne suis pas dans les affaires où on me tourne que parce que non, moi je suis un Bamileke, certes. Mais si un fait du village fait un truc qui ne va pas, moi je dis que gars, c'est mort. N'attends pas mon soutien. N'attends pas mon soutien. Je ne suis pas dans les histoires que Mwong, Wong, machin, non. Maintenant, si un quoi vient m'insulter ou bien insulter une fille Bamileke, là, il sort. Non, moi, il sort vite fait direct. Direct, moi, j'allume la caméra et bombarde. Je bombarde. Donc, le bien sûr est que Lolo doit que avancer. Donc, le conseil que je donnais, en fait, mais comment qu'est-ce qui marche chez Flore? Flore a construit sa maison, non? Mais Flore construit sa maison à l'ouest. Georges et Yiki. Comment dire qu'est-ce qui marche? Comment vous êtes comme ça, non? Comment dire qu'est-ce qui marche chez Flore? Comment? Flore construit sa maison à l'ouest et à Bonaberry. Elle est en train de finir son immeuble. Mais Flo a les contrats tous les jours. Ne rentre pas dans ça, s'il te plaît, Georges. Ne rentre pas chez. Non, ne rentre pas dans ça. Non, il ne faut pas dire que qu'est-ce qui avance. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire que tu es en train de chercher la guerre dans ce live. Ce n'est pas un live de guerre. Mais là, si vous voulez qu'on crée que la guerre est dedans, c'est que ça va sortir comme ça va sortir. J'essaie de modérer les commentaires. J'essaie un peu de modérer les commentaires. Non, quand tu vois Flo, je dis Flo est intelligente. Mais Flo, elle est intelligente. Flo a ses. Mais Flo, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui marche chez Flo? Mais même le fait de faire venir sa maman et prendre soin comme elle fait là, c'est déjà une bénédiction. Ça veut dire que ça a marché. Tu sais combien de personnes ont du mal à faire venir leurs parents d'Afrique? Même avec le Bordeaux. Même avec le Bordeaux. Il y en a comme ça qui ne peuvent pas faire venir leur mater du pays. Donc, faire venir sa mère en paix, ça veut dire que c'est une bénédiction. Non, elle ne s'accapare pas, Georgette. Elle ne s'accapare pas. Oh, ma reine alternant, Justine Bou comme la plus belle. C'est comment, non, maman? Oh, non, on a fait un truc magnifique samedi. C'était une dolé crevée. C'était le corps sur la poule. La chimame. C'était la chimame. Flo, ça fait marche.
Bien sûr, parce que le problème aujourd'hui, on n'est pas pour jouer les défis. Si vous voulez jouer les défis, on va encore gâter l'affaire là. Le live n'est pas pour gâter. Le live aujourd'hui, ce n'est que pour apporter justement. C'est-à-dire pour dire que bon, on laisse d'abord. Parce que Fodja aussi a la vision. Fodja aussi veut faire un peu comme Flore. Vous voyez, non? Non! Le problème, c'est que Flore, comme on dit, est connectée à ses ancêtres. Flo est connecté à son ouest natal. Ça ne vous le dira pas. Et quand tu es Bamileke, tu es déconnecté de la tradition, ça te frappe. Ne cherchons pas loin. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a les haineux. Mais parfois même, ce qui t'arrive même vient de ta propre famille. Ce qui t'arrive parfois, c'est que tu as négligé des situations. Et tu as oublié que Wong, tu es... Non, il faut qu'elle se reconnecte avec ses ancêtres déjà. C'est le conseil que donne Afouda. Qu'elle aille au village, elle demande où sont les crânes. Demandez où sont les crânes. Tu commences par là. Tu vas voir que quand tu reviens, Afouda, je te jure, la vie de tout ce que je cherche. Non, mais Lolo, ma follow, non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, elle n'est pas connectée, ma mère. Non, elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée, ma follow. Non, on n'est pas connectée. On n'est pas bilingue, non, ma mère. On est connectée. On sait comment ça se passe, non. Flo, quand elle fait un tour à l'ouest, là, c'est pour aller voir son derrière. Flo, quand elle part à l'ouest, elle ne manque pas d'aller. Elle part au pays, elle ne manque pas d'aller à l'ouest. Regardez tout le temps que Flo part au pays. Regardez à chaque fois quand Flo part au pays, elle ne manque pas de faire un tour à l'ouest. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi selon vous? Donc, pensez que Flo part seulement à l'ouest, c'est comme ça? Non! Non, on ne monte pas, on ne peut pas monter à l'ouest. Non, la première des choses quand on monte à l'ouest, c'est d'abord se rapprocher de ses crânes, de Télondou. Ouais, ma faux. La seule fois où Fodja est parti au pays, elle était sur la moto. Elle est partie dans la mairie de Bangante et tout ça, elle a tourné. Quand tu es. Ma faux, je vais te dire une vérité, peut-être que vous ne savez pas. Quand tu es personnage public, c'est-à-dire que c'est tous les mois que tu vas régler tes dettes avec les ancêtres. Oui, on a qu'à essayer de mettre la paix, non? C'est la paix qu'on essaie de mettre, mais maintenant, c'est qu'elle a qu'à subir. Non, non, ma faux. Quand tu fais ta coutume normalement, ce qui arrive à l'eau, là, n'arrive pas. Son gars qui est parti, elle sort sur une télé, on parle de sa vie, Wong, elle veut faire, elle part au pays, on la rapatrie. Tu pars au pays, on te rapatrie. On te rapatrie. Tu montes tel business, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas forcément le mauvais cœur de Flore. Hein. Il faut te dire les vérités. Hein. Il faut te dire les vérités. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas forcément. On accuse parfois les gens sans savoir que le problème vient de nous. Moi qui vous parle, je suis un Bamileke. Je sais que je ne peux pas rigoler avec ça. Quand ça ne donne pas et passe un coup de fil à l'ouest, allez regarder ça, on me dit. On dit qu'il y a ça, ça, ça. Et elle doit subir beaucoup d'attaques. Elle doit subir. C'est-à-dire quand tu es un personnage public, tu dois tout faire pour que même, c'est-à-dire que même tes ancêtres veillent. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand tu te lèves là, tu jettes ton jujube, tu parles même juste les paroles. Faut pas seulement venir sur Facebook dire que non, on me déteste. Oui, je sais qu'il y a les gens qui ne l'aiment pas. Mais le conseil qu'on va donner, c'est quoi? C'est que réinvente-toi une vie. Voilà, réinvente-toi une vie. Parce que les gens de voir, ça sort de partout là. J'ai peur. J'ai peur comment ça va finir. J'ai peur comment ça va finir. Ça vous dit. Parce que hier, elle a fait un live hier.
Elle a senti qu'elle était étouffée, ça venait de partout. Mais comment on peut vivre comme ça? À quel moment elle arrive même à aller bosser, à aller travailler avec tout ceci? Les gens viennent de partout. Si ce n'est pas Etounou qui sont là-bas, c'est Chantal ici qui est sortie. Oh, on mélange tout. Vous voulez finalement qu'elle ferme sa télé? Vous voulez qu'elle ferme sa télé et mange quoi, non? Voilà Fleur qui a mis son litchi pour faire sa maison. On n'a pas saboté. Lolo n'a jamais rien dit par rapport à ça. Lolo a encouragé plutôt. J'ai appris ici que Lolo a encouragé le litchi de Fleur pour sa maison. Voilà. Lolo a encouragé ça. C'est une preuve de grandeur. Donc quand Lolo fait les choses bien aussi, il faut apprécier. On va pas seulement la dire que oh, elle est méchante, elle a fait comme ça. Son gagne-pain, la télé. On se bat tous les jours. Je rêve que sa télé défie même TF1. Je rêve que sa télé même, qu'elle invite Macron dessus. C'est ce qu'on a quand même dit à Fodia, que attention à la qualité des invités. Tu ne vas pas prendre n'importe quel ting-ting, tu viens mettre sa télé. Oui, c'est ça qui est le problème. Parce qu'on dit que... Parce qu'on dit qu'elle est partie à Dubaï. Mais... Vous voulez qu'elle fasse son anniversaire dans un poulailler? Vous voulez qu'elle fasse son anniversaire dans un poulailler? Elle part à Dubaï aussi pour changer un peu d'air. Elle est partie à Dubaï pour changer un peu d'air, pour dire que bon voilà, je suis aussi à Dubaï. Voilà, Dubaï ce n'est pas extraordinaire en fait. Dubaï ce n'est pas extraordinaire. Pour encore à Dubaï c'est machin. Les gens à Dubaï veulent venir ben. Les gens à Dubaï, il y a plein des Africains à Dubaï qui sont bloqués là-bas, qui me contactent tous les jours et disent que wow, je vais venir. Ben. Dubaï, c'est un petit truc. Dubaï n'est pas machin. Elle est partie quelque part où elle voulait se cacher. Même comme ça, vous l'avez poussée à bout. Maintenant, elle sort, maintenant, elle ouvre son champagne. On dit que non, c'est les pipis du chat qu'elle est en train de boire. Oh, c'est grave, c'est compliqué tout ça. Ma folle, trouve une solution. Toi, tu es une femme intelligente. Comment on peut faire dans cette situation-là? Comment on peut faire? Non, on attend. J'attends juste les propositions d'idées. On voit comment on peut aussi remonter le Fodia. Parce qu'en temps normal, Fouda devait être en émission hier. J'ai voulu capter la télé hier depuis, je ne trouvais pas la télé. Parce qu'elle est obligée de faire un live pour se défendre. J'ai voulu capter la télé hier, je ne trouvais pas la télé. Donc du coup, vous la poussez à bout, elle laisse maintenant les émissions. Elle laisse les émissions. Elle perd de l'argent quand elle est fait pour une émission. Vous avez poussé à bout, maintenant elle est sortie, maintenant dit que wow, Chantal ici, wonga. Entre temps, la télé ne tourne pas, il faut payer le personnel. Vous faites comment pour faire ça? Vous voulez qu'elle ferme la télé et met les gens au chômage? Hein? Si elle ferme la télé, maintenant elle met les gens au chômage. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Elle met les gens au chômage, les gens, les contrats qu'elle a eu avec les magazines, tout ça, les publicités, elle fait comment? Parce que attention, Lolo a signé les contrats. Ah, c'est qui est l'artiste au numéro, non? Ok. Ah, tu sais ça de Molomo, c'est qui encore, non? Lolo a fait attention.
Non, comment je sabote, non? Comment je suis en train de saboter, non? Mais pourquoi vous faites des commentaires comme ça? Moi, je vous dis encore que je plaide ici. Oui, Barantin de Kribi, je plaide ici, rien que pour sa petite télé. Imaginons, on parle dans tout le monde entier qu'une influenceuse camerounaise a une télé. Ça fait du bien quand même. Ça nous fait du bien quand même d'apprendre qu'une influenceuse camerounaise a une télé où elle invite des vraies personnes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Lolo Fodja ne doit plus inviter des personnes qui n'apportent rien. Fodja invite les femmes qui travaillent dans le milieu hospitalier, les femmes qui élèvent 4 enfants que les pères sont partis là. Tu vois, c'est éducatif. Et invite les modèles. Tu vois un peu, non? Voilà, invite, il y a beaucoup de gens que tu peux inviter. Tu n'as pas qu'à inviter les gens qui viennent nous parler des mariages, que j'ai l'anniversaire du mariage, chaque année on fête l'anniversaire. Tu vois, tu descends en grade. Et créer les émissions. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'idée, contacte-nous, on te fournit une panne d'émissions. C'est là aussi que je dis que mais attention, parce que même quand les gens te critiquent, tu penses que non, on est en train de vouloir t'éteindre. Non. Mais quand tu fais une télé comme ça, tu dois faire une télé avec les thématiques de lundi au dimanche, tu vois. Voilà, il y a des émissions. Tu vois, tu n'as pas fait des trucs où tu avais gagné l'argent, il est le couple, gars. Maintenant, toi, tu n'es plus en couple, tu invites maintenant ceux qui ont le couple. Tu vois, les gens vont se moquer un peu de toi. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avance par les actes que nous posons. Ça veut dire que tu invites quelqu'un qui vient là, qui travaille dans les EHPAD là, qui s'occupe de. C'est-à-dire qu'il y a les femmes ici qui nettoient les blancs, qui enlèvent les caca, tout ça. Voilà les femmes que tu vas inviter, qui se lèvent tôt le matin, quand il fait froid dehors, elles courent, elles partent travailler, elles cotisent, on bouffe même l'argent de Njangui. Un peu comme Flo faisait, non? Flo a fait l'émission Blessé de guerre. Blessé de guerre, c'est une émission de dénonciation. C'était pas mal. Tu pouvais copier un peu ça aussi et faire un peu à ta sauce. Mais je n'ai pas dit qu'elle ne veut pas passer là-bas à Barantin de Kribi. Attention, forcément, vous dites souvent des trucs sur moi qu'elle ne dit pas. Je n'ai pas dit que je ne passerai jamais là-bas. Mais pour passer là-bas, c'est à condition. Pour passer sur la chaîne de Foja, c'est à condition. J'ai parlé, je n'ai jamais parlé à Foja. Mais Foja m'a déjà écrit. De même que Lolo m'a déjà écrit, pardon, de même que Flore m'a déjà écrit. J'ai déjà parlé avec Flore, peut-être une ou deux fois. Peut-être une ou deux fois. Mais avec Lolo, jamais. Lolo m'a écrit. Le dernier message que Lolo m'envoie était en 2020. On était en contentieux de ouf. On était en tendu. Mais là, j'ai apaisé mon cœur. J'ai apaisé mon cœur contre Lolo. Parce qu'il m'avait fait un truc que je n'ai pas apprécié aussi. Je vais vous dire la vérité. Je pourrais rester dessus comme ça. Je taille Lolo tous les jours. Elle m'avait fait un truc que je n'ai pas apprécié. Moi qui vous parle. Elle sait ce qu'elle m'a fait. Mais bon, je vais être au-dessus de ça. Je vais être au-dessus de ça. On peut l'aider à monter en grade. C'est-à-dire qu'on se dit que gars. Elle a dit qu'elle va t'inviter à télé-télé. Non, 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 faut pas voir. Non, non, faut pas voir les choses comme ça. Tu vois, moi, je préfère même rester en retrait et faire les lives comme ça pour conseiller Lolo. Pas forcément passer à sa télé. Tu vois, même ce qu'elle fait là-dedans, c'est un travail qui permet à ce qu'elle améliore à sa télé, non? Et c'est quand je la conseille comme ça, je lui conseille, pardon. Elle me donne quoi? Elle me donne rien du tout. Tu n'as pas fait les émissions de 4 heures, le faut dire. Ça sert à rien du tout. Émission 1h30 maximum, point.
tu sors sur ça. Tu vas laisser les gens sur leur faim. Non, non, colonel, ce n'est pas question qu'elle invite les ennemis de Flore. Elle a invité Anango. Est-ce que Anango, c'est une ennemie de Flore? Colonel Colet, elle a invité Anango sur sa chaîne ou pas? Est-ce que Anango, c'est l'ennemi de Flore? Maintenant, vous dites souvent des trucs, non, il fait comme ça. Non, vous ne connaissez pas tous les invités qui sont passés à sa chaîne. Anango n'a pas été l'ennemi de Flore. C'est-à-dire que tu vas faire des émissions, ça veut dire que on va voir les gens qui sont partis de rien, quoi, en fait. Les gens ordinaires. Non! Comment ça, il insulte Flore? Anango insulte tout le monde. Anango insulte tout le monde. Ce n'est pas une histoire qu'elle insulte, qu'il insulte Flore, non. Anango a apprécié le concept de Lolo. Ça, je peux vous dire, il a apprécié le concept de Lolo. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a avec Flore, etc. Non, il faut se dire des vérités. Mais à chaque interview, mais qui parle de Flore? Parce que les gens qui viennent aussi veulent parler de Flore pour avoir... Enfin, pour faire monter l'audience. Vous voyez un peu, non? Les gens qui viennent parfois, ils parlent aussi de Flore pour qu'après l'émission, on va voir un peu le page qui ces personnes-là sont. Parce qu'il y a les non-names qui sont venus là, qui disent que Flore machin. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Flore va passer sur la télé. Même Flore passera sur la télé. Même Flore va passer sur la télé. Et Flore a déclaré que si le rôle est vide, elle va. Elle ira. Lolo, faut dire, aujourd'hui, il faut la protéger. Hein? Il faut la protéger. Qui parmi vous a envie de perdre son travail? Personne. Vous allez faire comme ça, vous allez même signaler sa télé. Vous allez même envoyer les impôts là-bas vérifier. Parce qu'en fait, Lolo, elle perçoit de l'argent. Hein? Elle perçoit de l'argent. Lolo, hein? Lolo gagne de l'argent, attention, hein? Mine de rien. Mine de rien, quand même, il y a de la publicité qui est passée dessus. Donc, par émission, elle peut avoir au moins un petit 500 ou 700 euros. Elle peut avoir un petit 700 euros tranquille. Et vous voulez maintenant qu'on enlève ça? Vous voulez qu'on enlève son petit mangement? Et si, voilà que son mari est tombé, vous avez fait la fête. Elle se retrouve maintenant sans gars. Est-ce que c'est bien comme ça alors? Est-ce que une femme qui a longtemps été en couple, du jour au lendemain, elle se retrouve une femme seule? Vous savez, c'est pas facile d'être femme seule ici en Bec. Ça, je peux vous dire. Ce n'est pas facile d'être femme seule ici en Bec. Te lever le matin comme ça, tu es seul dans ton lit. Ce n'est pas facile. Et ce qui est sûr, c'est que aussi Lolo, pour avoir un homme,
C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, Choupita, écoute, tu rentres bien dans le live. Hein? On a besoin d'apporter un soutien à Lolo parce que vu ce qu'il est passé hier, c'était très grave. Ce n'est pas qu'on est en train de clasher. Non, il n'y a pas de clash ici. Non, il n'y a pas de clash. Je sais que tu es une lolomania jusqu'à le feu sort. Mais ce qui se passe depuis quelques jours, parce qu'elle est partie à Dubaï, les nerfs sont en train d'être tendus. J'ai dit que non, laissez Lolo vivre sa petite vie au calme. Laissez Lolo vivre ça. Laissez Lolo mener ses projets. Elle fait ceci, vous dites que oh, ce n'est pas bien. Elle part ici, vous dites que oh, ce n'est pas bien. Pourquoi tu as fait ça? Elle fait l'émission, vous dites que wong, 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 wong. Donc, on va alors enlever les rôles de Facebook. Et ça va vous faire du bien. Attendez la famille, j'arrive. Hein. Mais t'as encore un petit tour de partage, les cœurs, les cœurs. Laisser comme ça, Lolo, comme ça. Lolo, c'est notre sœur. Lolo, c'est notre sœur même. On peut pas abandonner comme ça. C'est deux filles de l'Ouest. C'est deux filles de l'Ouest. Ce que Chantal a ici à faire, c'est pas top. Choupita, prends la parole. Choupita, viens en live. Viens, on parle, viens, on discute. Choupita, viens. Prends la parole. Choupita, prends la parole. Choupita, prends la parole. Tu me dis pourquoi je me moque d'elle. Prends la parole, tu me dis pourquoi je me moque d'elle. Je fais semblant de soutenir. Mais tu ne penses pas que moi je suis un hypocrite? Toi, tu ne penses pas que moi je suis un hypocrite en fait? Tu crois que moi je suis là pour faire un live pendant des heures comme ça? Bagarre de luxe. Comment ça, je n'ai jamais aimé Lolo? Comment? Et je fais le live, tu arrives le live vers la fin. Tu arrives vers la fin dans le live, tu commences à dire tes histoires à deux balles. Et j'ai aimé Flore. Et moi, j'ai aimé Flore. Toi qui supportes Lolo, voilà le live, on parle de Lolo, tu n'as même pas parlé, tu ne sais pas mettre un commentaire bizarre. Je n'ai jamais aimé. Moi, je suis en train de dire quoi? Qu'elle améliore sa télé, qu'on protège sa télé. Hein? Moi, j'ai envie de trucs bien. Je n'ai pas envie de machin, aimer un machin que je l'aime, que c'est ma femme. Il y en a deux sur le niveau, c'est qui sont morts. Mais Lolo m'a déjà insulté plein de fois. Elle m'a déjà clashé plein de fois, elle m'a affiché. Ça va terminer. Parce que finalement, je veux croire qu'elle est méchante. Parce que tu as envie de dire là, ça me fait changer. Parce que ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a fait, moi, Gangoum. C'est parce que le cœur qui a accroché. Je suis en train de dire en fait que voilà que son gars est parti, ça le fait, les gens sont en train d'applaudir, ils disent que ce n'est pas bon. Et tu viens dire que wong, 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 wong. Est-ce que tu as vu que célébrer que son gars soit parti? Parce que c'est la difficulté. Je sais la difficulté qu'il y a ici d'avoir quelqu'un, même s'il est à distance. Voilà que Fodja va recommencer encore.
Au moins, quand tu perds tout, tu es capable d'avoir quelqu'un, un homme, même s'il n'est pas dans la même maison avec toi, tu lui passes un coup de fil, il te dit, bébé chéri, ça a été comment la journée? Comment tu vas? Oui, ça va, je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu as mangé quoi, machin? Est-ce que là, aujourd'hui, on sait maintenant qu'une séparation fend le cœur? Ça fend le cœur, ça te fait déprimer. Il y en a ici d'ailleurs qu'après une séparation, ils partent voir des psychologues. Ils partent voir les psychologues. Je vous ai dit que Lolo ici, elle enseignait aux femmes comment prendre soin d'un homme. Elle enseignait comment prendre, comment un homme, comment tu fais, même comment faire le dolo à un homme. Lolo expliquait, elle va encore faire ça à qui? Elle avait des cours intéressants, hein? Elle avait des trucs vraiment pertinents. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en Benin qui ne savent même pas prendre soin de l'homme. Mais grâce à Lolo, il y en a qui ont appris. Il faut apprécier ça. Non, j'ai vu l'acharnement. C'est clair qu'il y a beaucoup d'acharnement. Mais l'évolution de qui encore? Comment on dit qu'il y a quelqu'un qui a l'évolution? Flore? Moi, je veux l'évolution de Lolo parce qu'elle a beaucoup voulu faire. Elle a beaucoup voulu faire. Ça n'a pas marché. Elle a même voulu faire la vendre les vêtements sur Facebook. Ça n'a pas marché. On observe, non? On observe. On sait pour qui marche et pour qui ne marche pas. Et si les affaires de Lolo ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas une affaire de jalousie. Je vous ai dit que si l'affaire de Lolo ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Trouvez le problème et on avance. Ne venez pas seulement apporter le soutien que trouvons qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi on s'acharne sur elle? Pourquoi autant? On se pose la question. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Choupita, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit sortir de nouveau? Est-ce qu'elle doit faire un mea culpa? Est-ce qu'elle doit... Le problème, c'est elle-même. Mais pour Flo, a marché quand, comment? Flo a que de faire une soirée en décembre. Ça sera plein. Petit exemple, Georgette et Guiquet. Flo a que de faire une soirée en décembre. Ça va être rempli. Rien que ça. Petit défi, hein. Si tu veux, on vient à Paris. Flo fait la soirée le 9. Petit défi, ne parle pas du passé, pas ce qui arrive. Et ça marchera. C'est du business, c'est du truc que Lolo peut aussi copier et faire. C'est du que Lolo peut aussi copier et faire. Ce n'est pas une histoire que ça a marché quand. Je ne sais pas que je parle du passé. Hein. Et pas de ce qui vient là. Que toi-même, on va se retrouver sur Facebook ici. Tu me diras que, ok, voilà une soirée que Flo organise. Comment ce n'est pas sa soirée, non? Oh, comment ce n'est pas sa soirée, comment? Vous en savez quoi que ce n'est pas sa soirée? Ouais. Donc Flo ne peut pas organiser une soirée. Donc Flo ne peut pas organiser une soirée. Mais une soirée, c'est quoi? Mais vous faites un peu comme si c'était une soirée, c'est quoi? Mais c'est que dalle! Mais c'est que dalle! Vous dites que non, ce n'est pas sa soirée par rapport à quoi? Une soirée, c'est louer une salle. Ok?
vendre les tickets, faire de la promo. Tu remplis ta soirée. Le nom de la soirée, le nom de Flo fait rempli. Flo fait une soirée, est remplie. Rien que ces abeilles viennent. Vous parlez même de quoi que ce n'est pas sa soirée. Rien que les abeilles de Flo remplissent une salle. Il n'y a pas parlé, tu vas chanter, qu'on va passer à autre chose là. Je n'ai pas envie de passer à autre chose. Elle n'est pas mascotte. Tu dis que n'est-ce pas? Flo fait sa soirée. Il fait une soirée. Elle ne manque pas 15 000 euros pour faire une soirée. Encore, c'est beaucoup. Ouais. Comment garantir? Comment tu peux dire qu'elle manque l'argent pour financer sa maison? Comment tu peux dire ça? L'argent, c'est étape par étape, non? Elle a peut-être pris l'argent qu'elle a, elle met dans la soirée, ça multiplie et elle prend le bénéfice, elle met dans sa maison. C'est pas miliqué, non? Mais c'est pas miliqué, non? Pourquoi vous dites ça comme ça? Elle peut avoir prêté l'argent pour faire la soirée et le bénéfice maintenant, elle met dans son chantier. Elle rembourse là déjà. Mais c'est du business en ce moment. Maintenant, si elle demande les dons pour faire sa maison et que les gens sont là pour donner, les gens ont donné. Hein. Pour moi, il paraît que les gens ont contribué. Et nous, on dit que non, ce n'était pas sa soirée. Elle manque l'argent pour faire. Non. La soirée avec un petit 10 000 euros. Tu lances une soirée. Non, les salles, c'est combien? Tu as les salles à 2500, 3000 euros. Tu fais venir un artiste, tu lui fais une compte de 500 euros. Tu dis que bon, attends à la fin, machin. Les boissons, c'est dépôt-vente. La plupart des gens n'achètent pas les boissons dans les soirées. Les organisateurs des soirées font que le dépôt-vente. Vous me dites que non, ce n'est pas ça. Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire que le dépôt-vente, le gars met sa boisson, tu vends, après vous comptez, maintenant, ce qu'il a vendu, récupère. Point. Et vend ses tickets. Il y a quoi? Même la salle seulement. Même Flo peut demander aux abeilles cotiser et prendre la salle avec l'argent des abeilles. Mais je me moque de mes soeurs, comment non? Tu me dis qu'elle ne peut pas regarder. Je t'apporte les arguments. Maintenant, comme tu n'as plus d'arguments, tu me dis qu'elle me moque. C'est toi qui as dit que ce n'est pas. Je ne demande pas A plus B que sa soirée. Parce que vous ne comprenez pas soirée comme si on construisait la tour Eiffel. Ne comprenez pas la soirée comme non. Les gens qui font les qui louent les canapés là, c'est le dépôt-vente. Tu prends le contrat, tu dis que bon, je veux prendre le canapé, machin. Ils déposent là. Après la soirée, maintenant tu comptes sa part, tu donnes. Beaucoup de gens après les soirées sont endettés. Beaucoup de gars qui organisent les soirées sont endettés à la fin parce qu'ils ne payent pas. Ils tapent poteau. Celui qui a fait le décor de la salle, il n'a pas été payé, il réclame son argent. Celui qui a loué les chaises ou bien les tables, décoration, il réclame son argent. Vous n'avez pas compris. Regardez un peu la pré-soirée, non? Il y a toujours des problèmes. Parce que les gars ne payent pas tout. Dans une soirée, ce n'est pas un truc. Donc, c'est pour revenir à Don, à ceux qui me disaient que Flo a fait quoi, ça a marché. Donc, sa soirée marchera. Ouais. Ben oui, sa soirée marchera. Pourquoi donc il y a donc les jaloux par rapport à sa soirée? Pourquoi alors les gens ne veulent pas? Je vois les gens au Canada qui sont en train de serrer les fesses. Flo a dit qu'elle invite tout le monde à la soirée là. Je ne suis pas en train. Regardez que vous mettez vos commentaires. Je rentre dans vos commentaires maintenant et je développe. Oh. Je développe. Si là, je suis platine 3, 98%, je suis presque diamant. En soi, c'est tout le temps la difficulté. Donc, on vous dit que Flo a déjà fait. Certainement, elle a fait. Voilà Marie Conne qui dit que voilà, c'est pas moi qui mets le commentaire. Voilà Marie Conne qui dit qu'elle a mis l'argent. Voilà, c'est pas moi qui dis. Elle dit que l'argent, Flo là pour terminer sa maison, c'est nous les abeilles. On veut cotiser pour faire plaisir à nos reines mères. Commentaire, hein? Pas moi qui influence les commentaires. Les gens mettent les commentaires, moi je lis. Les gens mettent les commentaires. Voilà ce qui est ça. Donc on vous a répondu.
Parce qu'on me dit que non, Flo a fait quoi jusqu'à on a vu. Non, Flo a quand même fait, non, dis donc. Nous voulons aussi que Lolo aussi monte en grade. Lolo a envie de faire, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi pour Lolo stagne? Pourquoi Lolo n'arrive pas à bouger quoi? Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça, c'est la question qu'il faut aller creuser pour comprendre. Que ça fait l'écho, ça. Pourquoi? Donc laissons, là on parle business, hein. On ne parle pas clash. Tu comprends pourquoi ce soit pas chimé? Moi je suis petit. On ne parle pas clash, on parle business. Parce que t'as dit qu'il faut savoir éloigner le clash du business. On compare mes deux soeurs sur le plan du business. C'est ça. Flo a un niveau et Lolo doit tout faire pour remonter, pour dépasser même Flo. Vous voyez un peu, non? Pour dépasser même Flo. Parce que chez nous, on appelle ça, c'est le challenge. On ne peut pas seulement se challenger sur le clash, non. On se challenge sur les réalisations. J'ai envie d'arriver à l'Ouest comme ça et dire que, gars, on me dit que Foja a fait un truc à Barant et là-bas de ouf. Quel mec même ça part de Letty, on cotise même. Et je lui fais maintenant, on crée son plan en 3D, gratuit, élève un truc. Ça nous fait plaisir, dis donc. Ça nous fait plaisir. Elle va finir là maintenant. Dès qu'on aura fermé Facebook, elle aura eu quoi? Dès qu'on aura fermé Facebook, Lolo aura eu quoi? Au moins, si on ferme Facebook, Flo va dire que les abeilles, au moins, ont construit ma maison qui est là. Disons les vérités. Hein. Ne mettons pas seulement les organes lundi matin que Wong, Wong. Non, la famille, s'il vous plaît. Moi, je vous dis ça encore. Lolo, aujourd'hui, doit être loin. Comme les femmes ivoiriennes que vous voyez, elles ouvrent des instituts de beauté, elles font des voyages, elles sont invitées. C'est ça, on veut. Coucou Africa, China, c'est comment? C'est ça, on veut. Moi, j'aime bien, gars, j'aime bien ce défi-là. Au-delà du clash, gars. Moi, j'ai fait ça. Gars, voilà, c'est comme ça. Voilà, va chercher. C'est ça. C'est... Non, Michel Glass, c'est clair que Flo a beaucoup voyagé. Son passeport n'a même plus de place pour le visa. Son passeport n'a plus de place pour prendre le visa. Et l'avantage que Flo a, elle est française. L'avantage que Flo a, il faut conseiller Lolo Foja aussi. Elle fait tout pour avoir sa nationalité française déjà. Elle se bat même déjà pour ça. Et comme ça, elle va atteindre un peu le niveau de Flo. Oui, elle se bat déjà pour ça. Parce que le fait même de voyager comme Flo fait, c'est moins contraignant pour Flo que pour Foja. Donc, il n'y a même pas... photo a dit pour aller aux États-Unis avec un passeport dollar, c'est compliqué. Oh, Flo met ses mains sur, elle part sur internet, paye 20 euros. Elle part aux États-Unis. 20 euros. Elle part aux États-Unis à 20 euros. Hein. C'est-à-dire que l'espèce de visa qu'on prend des Français, là, elle paye en ligne. Est-ce que donc Lolo peut alors voyager aussi? Parce que moi, en voyageant, elle va quelque part. Quand Flo fait un déplacement, c'est pour du business. Flo rentre avec beaucoup d'argent. Et ça ne plaît pas à une dame qui est au Canada, qui a clashé Flo, qui est partie à un événement de Babileke. Donc Flo, c'est que Lolo se batte déjà. Non, je n'ai pas changé le but. C'est que vos commentaires aussi. Vos commentaires, en fonction de vos commentaires, je m'adapte. Non, je m'adapte. Parce que en gros, nous, on est en train... C'est-à-dire qu'on est parti sur le fait qu'elle a attaqué pour maintenant débattre même sur les investissements. C'est-à-dire qu'ils font plaisir. Qui font plaisir. Ouais, un peu, non. C'est que nous, aujourd'hui, il n'est pas question que j'ai changé, non. Vos commentaires font partie du live.
Vos commentaires font partie de là. Je ne dois pas ignorer vos commentaires. Donc, si vous mettez les commentaires, il faut que moi je développe vos commentaires. Vous mettez une suite de commentaires, forcément, qui n'ont rien à voir. Je me repère dessus pour pouvoir faire avancer le live. Donc, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est que déjà, un, on s'arrête de s'acharner sur le lot. S'il vous plaît, arrêtez de vous acharner sur le lot. On va d'abord. Elle a beaucoup encaissé. Donc, on peut déjà la laisser souffler. Maintenant, les Lolomania doivent également se mettre autour de Lolo et la porter des conseils par rapport à son émission, par rapport à ses sorties. Voilà, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Parce qu'on reproche même parfois à Lolo, même dans sa télé, de ne pas être vraiment... Elle n'est pas posée. Et ce n'est pas bon. Le dit n'est pas qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'on dit que bon, Lolo, quand on voit la différence entre Flore et Lolo, si Flore si on dit que bon, deux émissions qui parlent de la même thématique, deux personnes, c'est-à-dire Lolo et Flore, chacun passe à son tour. On va voir la différence du speech. Non, on compare ce qui est comparable. Non, je ne vais pas comparer Lolo à une autre personne. Je compare ce qui est comparable. Je compare ce qui est comparable. Deux émissions identiques. On dit que bon, Flore, tu as 30 minutes pour interviewer. On va voir Flore arriver. Oui, bonjour madame. Bon, bienvenue dans l'émission du dimanche à 14h sur la chaîne de Lolo TV. Voilà, installez-vous confortablement. J'espère que vous êtes bien installés sur cette chaîne aujourd'hui. Donc, on a une série de questions à vous poser aujourd'hui, cher monsieur. Donc, commençant la question numéro 1 est celle-ci. Est-ce que vous avez apprécié? Vous voyez, la tonalité. Voilà, maintenant on passe la parole à Flore, à Lolo. Voilà Lolo qui reçoit maintenant l'invité. Bonjour monsieur. Est-ce que vous... rien que ça, ça déclasse. Rien que... Mais pourquoi il n'y a pas de comparaison, non, Tungi? Ouais, dis donc, vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi il n'y a pas de comparaison? Parce que le tout, ce qu'on a en train de dire, c'est que en même temps, quand Lolo est devant un invité, en même temps, elle lit les commentaires de Clash sur la télé. Elle va poser la question aux invités. En même temps, elle confesse sur son make-up va bien. Donc, on ne va pas tout faire en même temps dans une émission, les Lolomania. On ne peut pas tout faire dans une émission, les Lolomania. Non, disons la vérité à votre championne, à votre champion Lolo. Dites-lui la vérité. D'accord? Mais comment n'accueille pas comme ça, non, pas rentrer de cribier. Toi-même, tu... Mais comment je peux te... Tout le monde voit et on a déjà dit par rapport à son compagnon que attention, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous pensez que moi, je suis en train de faire ça, pourquoi? Moi, je suis. Non. Mais non, pourquoi tu mets les organes comme ça, non? Comment tu dis que sa mère... Ouais, la famille, dis donc, on est quand même des personnes éduquées, non? Nous avons les enfants, dis donc. Mes enfants veulent lire nos commentaires aussi, non? On ne mettait pas que les organes. Effectivement, donc là, nul, l'avenir est incertain. Non, l'avenir est incertain. Ce qui est sûr, que c'est toi qui projettes ton avenir. Tu peux designer ton avenir. Dollar, béni David, tu peux designer ton avenir. Hein?
Donc, laissons que l'avenir est certain, machin, non. On peut prédire. Ce n'est pas le soutien de la comédie, ce n'est pas le soutien. Mais pourquoi quand on vous dit les vérités, ça vous fait mal? Donc comment soutien, on doit pas aussi pointer les lacunes de Lolo. Mais punaise. Oh mais putain. Donc ça veut dire que si on soutient là, on ne doit pas pointer les lacunes. Non, ne m'embarquez pas dans ça, c'est mort. Non, c'est mort. Non, c'est mort, c'est mort. Non, je ne tombe pas dans ça. Je tombe là. Non, ce n'est pas possible. Donc, vous croyez que quand on soutient, en fait, donc je vais soutenir là, comme ça, et les choses qui ne sont pas top. Et les trucs qui ne sont pas top, je ne vais pas vous dire. Non, mais soyons sérieux. Vous êtes toujours là pour dire que non, je soutiens. Non! Le jour que, si Lolo dit qu'elle m'invite, attends, Roberto, vous supportez que de la saleté. Flo organise un live. Hein. C'est bon. Non, non. Laissons la faire que Flo fait organise les trucs. Ouais, non, la famille, ne dites pas ça pour Flo. Non, ne dites pas que Flo organise les machins. Ce n'est plus. Donc, vous attaquez. Attaque frontale. Est-ce qu'on est là pour attaquer frontalement? On est en train de dire qu'on compare les deux sur les faits. On n'est pas là pour dire que tu as organisé un truc avec les Lélés. Gars, moi, je ne peux pas moi dire. Je n'ai pas vu là où les Lélés sont arrivés. Hein? Je n'ai pas dit. Là, les Lélés, je ne sais pas ce qu'il en est des Lélés. Parce que tu es en train de dire qu'il y a les Lélés, il y a le Koudja, tout ça dedans. Moi, je ne peux pas moi confirmer ça. Non, mais pas moi confirmer. Moi, je parle sur des réalisations concrètes. J'ai envie qu'à un moment donné, Flore soit, Lolo soit au-dessus. Déjà, qu'elle retrouve déjà son couple. Et en fait, Lolo même, la famille. Voilà ce qu'il fallait oublier. Lolo n'a pas su exploiter le fait d'être en couple. Ça peut vous dire une vérité. Lolo n'a pas su exploiter. Quand on vit en couple, hein, quand on se sépare, on peut se dire que, ok, j'ai profité de cette relation. Lolo n'a pas su. Parce que normalement, quand tu as un homme à la maison, il doit lever ton niveau. Parce que même son gars ne le conseillait pas. C'est même pourquoi on a dit en commentaire que le gars c'est un alcoolo. Le gars ne le conseillait pas. Tu ne peux pas être en couple pendant 12 ans. Et tu ne profites pas. Ça veut dire que le gars c'est un gigolo. Laissez-moi vous dire ça. Le gars c'est un gigolo. Mais tu laisses le gars. Tu ne peux pas être quand même 12 ans dans une relation. Tu ne peux pas. Ce qui est un problème, c'est que ton mariage, là, ton vie de couple, les ancêtres ont maudit ça. Tu ne peux pas être en couple avec un gars pendant 12 ans. Tu ne sors pas avec un enfant. Le bilan, il est où? Le bilan. Parce que je conseille comme ça, mais si tu es avec un gars en bain. Tu es avec un gars en bain. Pendant 12 ans, il faut que le gars soit t'amène vers le sommet. Soit il a perdu du temps. Je ne parle pas ici du mariage. Hein, parce que le mariage, c'est un fait. C'est une histoire qu'on dit que parler encore, on s'en fout de ça. On parle que le gars part. Tu dis que grâce à lui, j'ai eu ça. Tu fais un bilan positif. Donc, bêta, le nom, c'est comme tu étais seul. Parce que le gars t'a servi à rien. Laisse-le. Le gars t'a rien apporté. Tu ne peux pas te mettre en couple avec un gars en bain. Même si c'est comment? Tu ne te mets pas en couple avec un gars 12 ans. Le gars part comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait? C'était
Mais non, les deux, non, 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 non. C'est le gars qui a perdu le temps à Lolo. Parce qu'un vrai gars en couple apporte les idées. Un gars qui est en couple en bain, il apporte, il accompagne, il suggère, il propose. Et le couple monte. Peut-être le gars ne paye pas le loyer. Mais un couple sans projet, merci. Un couple sans projet ne sert à que dalle. Soit vous faites le couple de TikTok et de Facebook, ça s'arrête là. Mais ce qu'on va enseigner, c'est qu'aujourd'hui, quand tu viens vanter, ouais, Georges, pourquoi tu les commentaires comme ça, non? Pourquoi tu veux comparer Flore et la baronne, non? Est-ce qu'on a, comment vous voulez mettre la baronne déjà dans notre live le matin comme ça? Ouais, pourquoi vous venez encore? La baronne a fait quoi? La baronne a fait quoi dans ce live? Pourquoi vous voulez dire que la baronne, vous venez mettre la baronne dans le lave maintenant? Pourquoi vous voulez qu'on me clash? Vous voulez que la baronne sorte sur moi? Vous voulez maintenant qu'on détourne le sujet? Maintenant on parle de la baronne. Vous avez un problème à la baronne? Partez quelque part, vous faites de live pour parler à la baronne. Moi je parle pas de son nom ici. Mais pour l'Espagnol, cette retraite n'est que le début d'une nouvelle vie. Tu as un problème avec la baronne, pourquoi? Parce que, Georges, tu as un vrai problème avec la baronne. Ce qui est sûr que les Lolo, voilà, Hugues qui dit que les Lolo ne sont pas objectifs. L'espoir d'endurance. Dès la fin de sa carrière, il se lie d'amitié avec un cycliste professionnel. Flo! Victor Gonzalo, qui devient son coach personnel. Premier objectif du néo-retraité. T'es un sale. Il termine en 3e. Les commentaires, les gars. La guerre est lancée ici. La guerre ce matin-là. C'est une guerre qui n'a pas de nom. Ouais. Pourquoi vous ne laissez pas qu'on mette la paix quand même? Non. On débute la semaine au moins, ça met la paix. C'est l'une des épreuves les plus difficiles. Flo a profité beaucoup de ses abeilles. Le Lolomania également devait lever le niveau. Un conseil que je vous donne. Le Lolomania devait. Parce que vous êtes plutôt concentré à vous attaquer aux abeilles que à vous préoccuper de l'évolution de Lolo. C'est ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, en tout cas, oui, mais quand je nous traite déjà de Koudjé, de tout ça, de Lolo, c'est que c'est le problème que tu amènes, non, Georgette. Quand tu mets déjà un commentaire comme ça, tu crois que qui va lire ça? On lit, on comprend quoi? C'est une attaque. Ce n'est pas bien de dire que t'es l'élé. Il quitte la Catalogne, direction l'Italie. Ce n'est pas bien, la baronne a ses enfants, la baronne vit en couple. Quand même, nous sommes de ce fait, bon, on voit un peu comment les choses travaillent. La baronne travaille, elle a son petit boulot, sa petite maison au calme, non? Elle fait ses événements tranquille, voilà, elle soutient, elle dénonce aussi. Voilà, c'est une qui est là, quoi. Enfin, elle décrit l'injustice, elle est là. Faut pas faire comme ça, s'il te plaît, Georgette. Comment tu peux venir dire que Lélé, machin? Est-ce qu'on peut dire des trucs comme ça? Si on te dit que tu es Lélé, tu vas apprécier ça. Mais très vite, la saison des dialogues. Si toi, on te dit ça, tu vas apprécier. La parole à les Mouna. Les méthodes de Luis Enrique le font seulement. 15 victoires, 14 défaites. Non mais j'en crois, je crois comment? C'est d'abord une gars qui travaille. Que j'en crois déjà son côté travailleuse. Oui. C'est un gars qui se lève le matin, on voit, non? Mais c'est un gars qui se lève et bosse, non? Dis donc.
Vous voulez qu'on fasse comment encore? Donc les filles qui montrent l'exemple comme ça, mais elle est dans la culture, elle se bat pour les artistes, machin. Vous voulez... Non, mais comment tu peux témoigner que l'aîné... Que... C'est un peu la même chose qu'on a dit que Flo était l'aîné. Vous avez dit que non. Vous voyez comment vous embrouillez les gens. Après les sabbatiques, Louis Sénéquier est rebondi au Celta Vigo pour sa première... Vous voyez comment maintenant vous voulez cogner les têtes que vous êtes l'aîné, machin. Non. Non, faut pas faire comme ça. On n'est pas dans ces trucs-là, les machins, wong. Le Celta termine la saison à une honorable 2e place. 14 victoires, dont 7 face au Real Madrid. Mais ça ne veut pas l'empêcher d'être l'aîné. Mais tu te bases sur quoi alors pour dire ça? Tu te bases donc sur quoi pour dire ça? Le Barça sort d'une saison difficile. Elle s'est affichée sur Facebook. Tu as déjà vu son partenaire de même sexe est venu témoigner un jour. Mais quand Luis Enrique pose ses valises, changement d'ambiance. Non, donne les arguments quand même. Parce que tu viens de dire que, oh, à voir, d'accord. Tu as déjà vu quelqu'un qui est venu témoigner un jour que la baronne, on a dormi ensemble. Les Catalans sont encore plus forts qu'en 2009. Fini et passe indemne au milieu. Moins prévisible, et que les maîtrises aussi bien attaque placée, attaque rapide. Non, que tu mets les organes pour rien. Tu n'as pas d'argument, s'il te plaît. Parlons avec les preuves. Parlons avec les preuves. Soussou, ma mère, tu tchou. Non, on ne vient pas. Ça, c'est de la calomnie, non. Il ne faut pas dire les choses que vous ne maîtrisez pas. La baronne a son gars. La baronne a son gars. Vous pensez que la baronne fait comment? Quel piste ma mère a fait là? Malgré la qualité du jeu, le management sec de Luis Enrique n'est pas sans conséquence. La baronne a son gars, la baronne elle adore Nias. Elle le dit à chaque fois qu'elle adore Nias. Pour la reprise de la Liga. Elle aime le plantain. Parlez de Kero, elle aime le plantain. Ah bon, elle l'a dit ici plein de fois qu'elle aime le plantain. Malgré l'entrée de la Pulga à la mi-temps, le Barça s'incline 1-0. Le lendemain, Messi ne se présente pas. Elle a dit plein de fois ici qu'elle aime le plantain. Elle vous dit ça en quelle couleur? Vert, bleu, rouge. Barcelona qui a la tête humaine avec deux grands. Oh. C'est fatigant avec vous, hein. Franchement, c'est. Tu vas baisser un peu, s'il te plaît? Dans la famille. La saison suivante, les Catalans partent sur les mêmes bases. Lolo Fodia aujourd'hui est sur la bonne voie. Ce que je sais, c'est que Lolo Fodia. Merci comme Tsungi, Nikun Tsungi. J'ai même failli décortiquer ton nom. Ce qui est sûr que, après ce que Lolo a subi ce week-end, j'espère qu'elle va se relever. Oui, elle fait encore plus, non, Solange. Oui, c'est vrai qu'elle fait encore plus. Non, on va pas, c'est pas le live de la baronne ici. On va pas se consacrer dessus. Non. Voilà, on va pas se consacrer dessus. Ce qui est sûr que Lolo Fodia, elle est sortie parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais le conseil que te donne Fodia, concentre-toi au maximum sur tes projets. Concentre-toi au maximum. Reste focus. Reste focus. Si tu as les projets, vraiment, tu ne dois pas être sur des clashs, machin. Moi, je considère que tu es sur ça parce que tu n'as pas de projet. Non, si tu as vraiment les projets, tu dois être omnibulé par ça, tu dois être envahi par ça, tu vas demander conseil, tu vas... Voilà, c'est ça. Ta télé, c'est un gros projet. Tu as manqué une émission hier. On devait te connecter pour voir le prochain invité. Tu ne l'as pas fait. Tu nous as habitués maintenant à la télé. Après, tu nous enlèves le goût de ça. Tu nous enlèves le goût de ça.
Le Ndiangui. Tu vas laisser Chantal Haïssi. Chantal Haïssi, je ne sais pas quel problème elle a. Je ne sais pas si la dame est normale. Je ne sais pas. Non, c'est Chantal Haïssi qui va laisser. Est-ce qu'il y a encore un débat entre Flore, Georgette et Ike? Est-ce qu'il y a encore un débat entre Flore et Loulou? Flore a déjà son couloir. Et quand tu regardes ce que Loulou subit, ça vient plutôt d'autres personnes, comme Chantal Haïssi qui est venue maintenant mettre une autre piment dans la sauce en train de bouillir. Est-ce qu'on est en train de dire comme Flore? Mais Flore est dans ses affaires, non? Mais Flore est en train de se faire ses projets, non? Elle annonce ses dates tout le temps, tu ne vois pas. Mais Flore annonce qu'elle est au Canada, elle a son calendrier est déjà booké. Vas-y, son calendrier est déjà booké. Vas-y, le truc, c'est que maintenant, on est en train de voir Chantal Haïssi qui ne chante plus. Qui vient encore s'attaquer à Lolo Fodja. Fodja n'en veut plus de ça en ce moment. Elle veut se consacrer à sa télé. Ne la déroutez pas. Ne déroutez pas Fodja pour l'instant. Elle a une télé qu'elle veut faire vivre. Non, mais attends, Georges, pourquoi dans ton commentaire tu veux tout mettre Flore dedans? Pourquoi dans ton commentaire tu veux toujours mettre Flore? Tu veux toujours mettre Flore dedans? Il y a des moments où Flore fait ses directs, elle ne calcule pas Lolo Fodja. Hein? Elle ne calcule pas hein? Quand elle parle de ses soirées, quand elle parle de ses invitations, machin, elle ne calcule pas. Ne venez pas toujours mettre. Ce n'est pas Flore qui fait que c'est que Lolo Fodja vit en ce moment. Ce qui est sorti à deux jours, là, Flore n'est pour rien dedans. Hein? Flore n'est pour rien dans ça. Hein? Non, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'assimiler Flore dans ce qui s'est passé là. Destiny d'abord, elle a fait un direct hier, où elle parlait. Je ne sais pas si elle a fait allusion à Lolo. Chantal a ici a fait sa part, machin. Flore a parlé un truc dedans. Flore n'a rien dit dedans. Flore n'a rien à voir avec ce qui se passe. Là, l'acharnement que Lolo subit en ce moment, Flore est concentrée sur sa soirée du 9. Flore n'a pas envie qu'on l'embête avec ça. Flore est focus sur sa soirée du 9. Elle veut faire ça le comble. Flore est en mode projet maintenant. Vous voulez toujours qu'on mette son nom, que petit commentaire comme ça, vous mettez Flore dedans. L'acharnement de Lolo en ce moment, Flore n'en est pour rien. Elle n'a rien dit. Elle est seulement dans ses affaires, fait sa promotion et tout, et tout, et tout. Donc c'est Chantal ici qui est l'instigatrice de tout ce qui se passe. Exactement. Voilà Kiki Chanel qui dit, si Flore était à la place de Lolo en ce moment, c'est que Lolo est en train d'enfoncer. Voilà un commentaire. Il faut lire le commentaire et vous répondez. Commentaire là. C'est pas moi qui le dis. Peut-être qu'on connaît que oh, elle est comme ça. Moi, voilà le commentaire. Voilà le commentaire. Georgette, moi je suis en train de te dire que pour que Flore arrive là où elle est arrivée, elle a eu besoin des abeilles. Donc allez vous former chez les abeilles pour qu'on voit comment on peut faire éclore le génie.
de Lolo. Une formation est nécessaire. Vous allez en formation, il ne faut pas avoir honte, hein. Vous allez en formation chez les abeilles pour comprendre comment ils ont pu survivre flore jusqu'ici. Et vous mettez ça en pratique, on verra effectivement que Lolo va monter en grade. Quel Lélé reconnaît notre Lélé. Ah là 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 là. Donc en tout cas la famille, voilà, on va donc clore le live, hein, ça fait quand même plus d'une heure. Non, on va clore le live. Vos commentaires là, franchement, je suis fatigué de vos commentaires là. Franchement. Non, je suis fatigué de vos commentaires. Voilà. Hein. En tout cas, c'était bien. C'était super bien. Donc, force à Lolo Fodja dans cette épreuve très difficile. Hein. Force à toi. Ok, j'espère que tu vas y arriver. J'espère que, bon, voilà, ça ne va pas t'ébranler. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est dur. C'est dur de sortir comme tu l'as fait hier. Parce qu'on m'a bipé. Hein. Bon, je suis allé vite fait dessus comme ça, rapidement. Je ne suis pas resté très longtemps. Donc, on m'a bipé hier. Et je suis allé sur là, il y avait au moins 3000 personnes. Donc, je ne connais pas le contenu exact du live. Si vous sentez Lolo sortir, quand c'est que ça ne va pas. Donc, ça ne va pas. Donc, j'espère que cette semaine, ça va s'apaiser. J'espère que cette semaine, les gens qui veulent la chute de Lolo doivent plutôt se concentrer, c'est-à-dire que sécréter les bonnes hormones, c'est-à-dire que dégager les ondes positives pour que enfin. Oui, peut-être, c'est clair qu'il y a des remises en question à faire, non, Terre sale. Il y a des remises en question à faire. Alors, j'ai un commentaire ici. Ma chérie de moi, tu es une personne remplie d'amour, une histoire d'amour entre nous, fidélité, loyauté. Top love, je sais pas si c'est elle ici. Voilà, donc bon, bref, je crois que ça va être elle. Donc voilà, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce que quand vous voyez la quantité de foudre qui s'abat sur Fodja, ça fait peur. Ça fait peur. La foudre qui s'abat sur Fodja, ça fait peur. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.